Passez-moi un secteur open bar, les gars. On peut pas savoir combien il y a de mecs. La fumée là-bas. Allez, aide-moi. Je t'en supplie. Au nom du poisson tsar, détache-moi. En pitié. Merci, merci. Oh, c'est une vermine. M'ont capturé sur la route du temple du poisson. Le père Silentius m'avait demandé de faire pénitence et j'avais fait la moitié du chemin quand c'est m'ont capturé. Je vois que t'es un des hérétiques. Je vais te le dire quand même. Il y a une cachette ici, sur l'îlot, et un appareil. On peut pas l'utiliser, c'est un péché. Mais tu pourrais, toi. Je vais me reposer un peu avant d'y retourner. Je prierai le poisson tsar pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ton âme sera peut-être sauvée. Thank you.
Simon, le pont est condamné. Les fanatiques ont pris le contrôle. J'avais prévu de leur donner le quart des marchandises, mais ils ont rien voulu savoir. Pour commencer, ils voulaient que j'abandonne la locomotive. Pas question que je pousse la plateforme avec une draisine sur 200 bornes. Par contre, on est carrément dans le rouge. Je t'envoie donc Serge avec ce message. Vends la loco au frère, qui proposait une belle somme pour l'avoir. Et achète ce bac. Ou une barge à moteur. Ou un marqueur. Tu m'as compris, Simon. Tu ne discutes pas le prix. Dès que les autres seront au courant pour le pont, n'importe quelle merde qui flotte vaudra une fortune. On peut encore rebondir, mais on ne doit pas traîner. Au boulot, Simon. Le temps, c'est de l'argent. Simon, le pont est condamné. Les fanatiques ont pris le contrôle. J'avais prévu de leur donner le quart des marchandises, mais ils n'ont rien voulu savoir. Pour commencer, ils voulaient que j'abandonne la locomotive.
tunnel, Nick. Je t'envoie les coordonnées de Duke. Il est sur le pont. Il fait des relevés. Va le retrouver. Il te tiendra au courant de la situation au terminus. Mais Nick, terminé. Cette chose. Regarde un peu ce que le chat vient de me ramener. Oh, un hérétique. Ça alors. Il ne dirige pas sa lumière satanique sur nous. Il a rengainé son arme. C'est un humain, après tout. Même si c'est un hérétique, on peut même le raisonner. Son arme n'est peut-être pas totalement perdue. Tu parles. Tu crois vraiment que ces hérétiques ont une âme ? Regarde son armure. C'est vrai, c'est l'œuvre de Satan. Mais si seulement nos paladins avaient eu la même. Béni par le père Silentius, évidemment. Les bandits n'auraient jamais pris le contrôle du dépôt de train ou du pylône. On contrôlerait tout, et ils brûleraient en enfer. On les aurait étripés comme des chiens. C'est une tentation. Une tentation par la technologie et son pouvoir satanique. C'est vrai. Mais franchement... Merde! Je n'ai pas peur. Je crois la foi véritable.
Le poisson le sent. Il peut avaler un non-croyant tout entier, sans que le fidèle à côté de lui ne reçoive la moindre éclaboussure. Dieu me garde.